Je suis comme en plan de déménagement. Je suis pas comme en plan de déménagement. Je reviens là, mais c'est juste que c'est ça. J'ai venu en fin de semaine à l'appartement pour continuer à packer mes choses, which que j'ai même pas fait parce que j'ai passé la fin de semaine à y aller au restaurant puis à profiter de la vidéo. Si vous avez pas vu mon vlog, la vidéo là est postée déjà. Mais là, c'est ça. J'ai placé des choses à vendre sur Marketplace. Il est supposé d'avoir quelqu'un qui vient chercher mon sofa puis mon pupitre que j'avais dans ma chambre. Sauf que là, le problème est que je voulais décoller pour aller chez nous aujourd'hui faire 2 heures. Pas plus tard que 2 heures. Mais là, la madame pour le sofa peut juste venir après 5 heures, fait que là, anyways. On verra, ben, s'il y a quelqu'un qui peut venir avant, je vais le vendre à la personne qui viendra avant là. Ok, c'est ça, j'ai une liste de choses à faire. So, il est presque 1 heure, puis le monsieur pour le pupitre veut venir vers 2h, 2h30. Mais c'est ça, je vais apporter une couple de choses dans le char parce que j'aimerais fitter le plus de choses que je peux. Majoritairement les boîtes, juste parce que la prochaine fois qu'on vient, ça va être comme plus mes grosses affaires. Ma mère va venir, mon grand-père va venir. So, j'aimerais comme éviter comme les boîtes le plus possible, puis apporter ça comme en fin de semaine vu que je suis par ici. So, c'est la raison pourquoi est-ce qu'il faut que je va trouver des boîtes à quelque part. Je sais pas, you, peut-être au pet shop, parce que si je me trompe pas, la dernière fois que j'ai déménagé, le seul magasin qui m'a donné des boîtes, c'est au pet shop, si je me trompe pas. Faut que je trouve des boîtes. C'est un petit peu aussi la raison pourquoi est-ce que j'ai comme rien pacté, parce que j'avais comme pas de boîtes, puis sans peut-être pas de deal avec ça. So, juste pour vous placer en contexte un petit peu, ça c'est l'état de ma chambre en ce moment. Ça c'est ma valise parce que j'ai venu ici, obviously. Ça, je vais essayer de la mettre dans mon char. Mon pupitre est gone, je l'ai mis dans le salon. Puis là, ça c'est comme tout le reste de mes boîtes que j'ai, toutes les restes de mes niaiseries, les affaires là-dedans, comme. Ça va pas mal en affaire là. J'ai un tas. Ben, j'ai juste une boîte ici là, mais j'ai une boîte dans le coin ici. Ça, c'est mon pupitre que j'ai laissé à traîner. J'ai une boîte avec d'autres stuff. Ça, c'est le lézard de ma coloc. Puis mon sofa, il attend pour se faire vendre. J'ai aussi placé ce petit meuble à vendre, mais jusqu'à date, il y a personne qui est intéressé là. Ça, on verra bien. Mais en gros, comme les grosses choses qu'il faut que je déménage, c'est ça. Ma chaise. Ma lampe, I guess, je pourrais probablement la filer dans mon char comme tout de suite là. Cette chaise là, j'en ai deux comme ça, des chaises comme ça. J'ai mon meuble ici. J'ai mon lit, obviously. Ma petite table de nuit, puis j'ai aussi un petit mini quand je l'adore qui est comme la size de ma table de nuit, mais plus grand là. Soit en gros, c'est comme pas mal ça, mes grosses choses. J'ai bien hâte de voir comment ça va se dérouler cette journée là. Ça, c'était extrêmement facile. J'ai venu au pet shop le plus proche de la porte en expectant qu'ils allaient me donner une copie. Direct quand j'ai rentré, il y avait déjà une pile de boîtes qui attendait pour quelqu'un parce que la madame était comme, oh, il y a quelqu'un sur Facebook qui a dit qu'elle voulait avoir des boîtes. J'étais comme, bah, c'est pas moi là. Fait que si quelqu'un vient les charger, comme, tu sais, garde-les pour cette personne-là. Elle était comme, non, comme tu peux les prendre. Ça, j'ai tout pris. Je suis vraiment contente. Déménager, c'est pas mon activité préférée, hein. Mais anyway, j'ai réussi à rentrer toutes mes boîtes, puis là, il est 1h30, puis il y a quelqu'un qui vient soit dans 30 minutes ou 1 heure pour venir chercher mon pupitre qui est juste là. So, mon but, avant que cette personne arrive, c'est de vider tout ce que j'ai dans cet armoire-là, puis le pacter parce que j'ai reçu des minuscules boîtes, puis je suis vraiment contente parce que je pourrais pacter comme les petites affaires parce que dans cet armoire-là, c'est comme des épices puis des affaires de même. Ça va être parfait à mettre là-dedans, fait que on va s'attendre avec ça, puis on verra si je suis capable de faire plus ou non. Bon, mon but est de fitter tout ça dans une petite boîte.
Petit update, je sais j'ai pas filmé trop mais comme déménager c'est littéralement oh. Anyway, si vous voulez me voir packer plus là, allez voir mon dernier vlog de déménagement là si vous êtes plus intéressé à moi qui pack. Mais là c'est ça, j'ai réussi à packer deux nouvelles boîtes, puis une boîte j'ai complété, je l'ai fermée je pense là, je me souviens plus là, comme je suis tellement mêlée là, comme j'ai packé des affaires dans ma trunk, puis là je vais aller chercher les autres boîtes qui est déjà comme scellées, je vais aller les emporter dans mon char, comme ça fait au moins de choses comme à traîner partout dans la cuisine, parce que aussi ma coloc arrive bientôt, puis je veux pas qu'elle s'est pognée dans le mess de comme déménagement là, surtout que c'est comme toute la cuisine, sauf comme si elle arrive elle veut faire de quoi manger, comme je veux quand même avoir l'espace un petit peu propre comme dans ma chambre, puis ça me dérange pas que c'est comme tout un mess là, mais ça me dérange un petit peu, mais tu sais ça me dérange moins parce que comme elle vient pas dans ma chambre là. J'attends encore quelqu'un qui vient chercher le meuble, la madame pour le sofa vient rien vers 5h, puis le monsieur pour le meuble est comme en retard, puis là la femme pour le sofa comme c'est même pas sûr qu'elle va porter le sofa, genre comme elle a dit qu'elle voulait juste venir vérifier avant, puis là comme plein d'autres personnes qui m'ont envoyé un message, puis rien que personne qui veut venir le chercher, puis je suis juste comme s'il vous plaît quelqu'un venez le chercher. Déménager c'est horrible. It's horrible. Non. Oh my god, mon siège est trop proche. Oh non. J'ai plié la boîte. Vous êtes en l'envers. What is life? Update de la journée, j'ai réussi à pacter une grosse quantité des boîtes, which que je pensais pas que c'était possible parce que il y en avait trop, ok? Mais j'ai réussi à en pacter une bonne bunch, puis là j'ai rien de réaliser que je vois pas en arrière dans mon miroir, mais c'est ok, j'ai deux miroirs sur le côté, je suis une bonne conductrice. C'est ça, j'ai aussi réussi à vendre mon pupitre blanc que j'utilisais pour mon ordi, et aussi mon sofa rose. L'autre journée aussi j'ai réussi à vendre mon miroir là, que j'avais dans ma chambre, puis ça j'étais un petit peu triste parce que c'était un cadeau de ma mère, puis aussi ça faisait comme longtemps je l'avais, mais c'est juste que premièrement il était pas assez haut, puis deuxièmement comme c'était vraiment difficile à visser dans le mur, comme depuis que j'ai déménagé genre deux apports passés je l'ai jamais bien vissé dans le mur parce que c'est pas moi qui le faisais là, j'ai juste décidé de le mettre à vendre. So j'ai trois grosses choses qui est gone, which que je suis vraiment contente, fait que c'est ça que j'ai fait jusqu'à date. J'ai pacté comme beaucoup de boîtes, je pense, si je me trompe pas il y a comme plus rien à pacter dans les boîtes, fait que là j'ai décidé que je méritais d'aller au restaurant parce que j'ai travaillé dur, j'ai le droit d'aller au restaurant, je mérite d'aller au restaurant. Fait que je vais au restaurant, je me prends une drink. Puis si vous avez pas écouté mon vlog de dernière semaine en ville, whatever, j'ai été à trois différents restaurants, ok, en fin de semaine. Puis j'ai pris trois drinks dans les trois restaurants. Puis ça, c'est quelque chose que je fais jamais là. Mais oui, comme ça m'a vraiment fait du bien, c'était vraiment chill. Puis c'est ça, fait que là, je m'en vais au restaurant. Puis je vais au même restaurant que j'ai été vendredi parce que je veux des boules arancini. Parce que quand j'étais vendredi, j'ai pas pu manger en paix. J'étais comme tourmentée là. Puis j'ai apporté le restant à l'appartement. Puis là, j'ai fait chauffer ça dans l'air fryer, puis c'était dégueulasse, ok? So, je vais au même restaurant, je prends les 6 boules arancini, je les dévore toutes, je prends la même drink que j'ai pris vendredi, j'ai le même outfit, sauf mon manteau, que vendredi. So, je suis vraiment hot. Peut-être que la prochaine fois qu'on va se verra, ça va être la prochaine fois que je viens, je suis pas exactement sûre, comme là. Ouf, mec, je reviens du restaurant, comme. Je pense pas que je vais faire grand chose. Il y a juste comme dans ma chambre, c'est un mess, mais comme. Oh, je suis tellement épuisée, là, comme. Je m'attendais de m'en aller aujourd'hui, puis j'ai resté. Finalement, je vais coucher là, juste parce que je vais aller au restaurant. Puis c'est quand même presque 3 heures de drive là, puis à ce point c'était rendu 7 heures. So, c'est ça, j'ai juste accepté le fait que j'allais probablement m'en aller demain matin. Demain je fais le strict nécessaire, comme je fais ma valise, j'ai les choses qui sont dans le fridge, puis je décolle.
So, je vous quitte. Souhaitez-moi bonne chance. Je vais en avoir besoin. Ok, je vais faire un petit tour de mon appart parce que je sais que j'ai comme jamais fait un vrai tour de mon appart. Mais j'ai envie de vous montrer comme quoi ce qui reste, puis quoi ce qui va éventuellement s'en aller, mec, je m'en vais. Mais si vous avez pas écouté comme la journée que j'ai déménagé, comme il y avait rien dans l'appartement, comme il y avait pratiquement rien, sauf comme toutes les choses, c'est pas mal à moi. Ça va être sad, mec, je m'en vais. Comme je suis comme si que je suis un petit peu sad de m'en aller là, mais quand tu rentres, ici, le miroir, puis le petit meuble qui est là, c'est à moi. La table, c'est pas à moi. Mais dans le salon, j'ai vendu mon sofa, comme j'ai mentionné. La chaise, le meuble, la light, puis le sofa. Là, c'est à moi, puis l'échelle aussi. Oh, mon petit pot de fleurs qui est là. Mais genre, j'ai tout enlevé mes décorations que j'avais comme. J'avais des affaires sur ce mur-là, j'ai enlevé. C'est pas mal ça, là. Dans la cuisine, il y a comme rien qu'à moi parce que c'est comme. Oh, c'est une cuisine, là. Dans ma chambre, c'est ça qui est l'état en ce moment. J'ai juste un gros mur qu'il va falloir que j'attende pour avoir de l'aide pour emporter. Mais sinon, ma chambre est pas mal vide. Puis ici, dans la salle de lavage, il manque juste mon congélateur puis les autres choses random. Et dans la toilette, j'ai enlevé tout ce qui m'appartenait sur le comptoir et aussi dans les armoires. C'est pas mal ça. Pour mon petit haul. Là, je m'en vais chez nous. Puis on se verra la prochaine fois. C'est la dernière fois que vous allez me voir dans cette cuisine, mes amis. Parce que je déménage demain. Ok, juste pour vous placer en contexte, aujourd'hui, on est jeudi. Puis, by the way, ma cousine a eu son bébé un matin là. J'ai trop hâte de retourner chez nous pour voir son bébé. C'est ça. Ma mission, mon but aujourd'hui, c'est de pacter tout ce qui reste, placer ensemble dans le salon accessible. Ben, tout comme ce que je peux, genre, je mettrai pas mon lit pis mon meuble dans le salon, mais comme, tu sais, les petites choses, là, parce que j'ai comme des restants de boîte, j'ai deux chaises, j'ai mes rideaux, ma light, comme, tu sais, des petites affaires random. Je vais tout faire sûr qu'il y a rien qui traîne, que tout est emboîté, tout est fermé, tout est indiqué. Puis après ça, je vais tout placer ça ensemble. Les choses que je peux fitter dans mon char, je vais placer, ça sera pas grand chose, parce que là, j'ai été chercher mes tailleurs, puis j'ai deux tailleurs dans la trunk, puis deux tailleurs en arrière de mon char, puis là, c'est comme, mais anyways. Ma mère vient demain, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais comme tout faire sûr que tout est en ordre, tout est prêt, je vais laver mes draps, je vais faire sûr qu'il y a comme pas de vaisselle qui traîne, je vais faire sûr que j'ai comme, tu sais, tout ramassé. Vendredi, demain, ma mère et mon grand-père viennent, puis on va voir en tout trois chars pis un trailer, sauf comme, j'ai pas de doute qu'on va, tu sais, manquer de place, là, parce que les seules deux grosses choses qui est plus grosse, c'est mon lit pis mon meuble que vous êtes dessus en ce moment. Puis j'ai aussi ma grosse chaise violette ronde qui est dans le salon. Ça, c'est comme les trois choses plus grosses. Ah, oh, pis mon congélateur. Il faut que j'arrête d'ajouter à la liste, là. Mais sinon, comme genre, les deux chaises rouges décoratives pis ma petite chaise d'ordi, c'est comme, tu sais, des choses comme moyens, là. Tout le reste, c'est comme genre des boîtes, là. Ça, je vais me mettre à faire tout ça parce que j'ai pas grand temps. Demain, ben en réalité, mon grand-père est déjà par ici. Sauf que, il pack pas ni rien, genre, aujourd'hui avec moi. Parce que ma mère vient demain matin, mais genre, elle vient vraiment tôt, comme avant midi, je pense qu'elle vient, comme elle arrive à 10h, là. Sauf demain, j'aurai comme pas le temps de faire rien. Sauf c'est pour ça, aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer, tout finaliser mes choses. Puis là, plus tard dans la soirée, je vais juste relaxer. Puis tout remémorer mes choses que j'ai faites dans la partie, puis m'ennuyer parce que, obviously, je vais quand même m'ennuyer même si j'ai comme hâte de m'en aller. Tu sais, c'est comme 50-50. Oh, puis en passant, je vais être tout seul à l'appartement en fin de semaine parce que ma coloc est pas là. So, je vais vraiment comme prendre une soirée relax aujourd'hui juste pour apprécier mon appart puis enjoyer le peu de temps que j'ai avec. Mes amis, c'est le dernier haul dans mon appart. Dernier haul.
vraiment sale. J'ai été au Boston Pizza. Premièrement, j'ai eu 3 sets de fourchette napkin. I don't know why. Deuxièmement, j'ai commandé des crevettes au taco. Puis comme j'étais à 5 minutes de l'appartement, puis le gérant m'appelle et comme, as-tu reçu des crevettes dans ton taco? Puis j'étais comme, je sais pas. Puis j'avais pas reçu mes crevettes. Sauf j'ai pris une bête de crevettes là. Sauf j'ai retourné au Boston Pizza. Puis là, il m'a donné un dessert gratuit. Ça, c'est mon favori là au Boston Pizza. C'est les taco shrimp. C'est, ouais, les crevettes au taco, c'est un petit peu épicé, mais j'adore. Comme je suis même pas quelqu'un qui aime les épicés là, mais ça là, c'est toujours ça que je prends au Boston Pizza. Puis là, j'ai décidé aussi de prendre Bandera Bread ou je sais pas trop là. Puis ils ont oublié de mettre du parmesan dessus. Anyways, c'est ok. Voilà, family man. Au moins, j'ai eu un cheesecake gratuit. Puis j'ai pris, devinez quelle saveur. Bleu! Aux petits fruits, whatever. J'ai vraiment hâte de le manger. Je devrais peut-être le mettre au fridge. Vu que je le mange tout de suite. Il a mouillé. Je suis tellement fatiguée là. Oh les gis. Mais il a mouillé littéralement toute la journée là. Je pense que j'ai déménagé dans toutes les températures sauf la pluie jusqu'à date. Genre j'ai déménagé quand il faisait extrêmement chaud. Quand c'était l'hiver, tempête. Et là je vais déménager dans la grosse pluie. Je vais juste aller relaxer pour le reste de la soirée là. Ben pas vraiment pour le reste de la soirée, mais je vais manger ça, je vais relaxer. Parce que je suis tellement épuisée, je me suis levée vraiment tout ce matin, me semble, je l'ai mentionné là. Je finirai mes affaires à soir. Comme plus tard, mais jusqu'à là j'ai comme fait un gros progrès, j'ai comme été faire ma deuxième trip au deuxième an pour apporter comme le reste des choses que je voulais donner. Sinon j'ai juste apporté une affaire dans mon char là parce que j'avais comme trop les mains pleines. Mais peut-être que plus tard à ce soir j'ai rapporté une couple de choses dans mon char, c'est juste que c'est ça avec mes tires qui est dans mon char, c'est comme un petit peu tight là. Mais c'est pas mal ça, je voulais vous updater dessus, soit on se verra demain. Journée de déménagement, ça va être tellement chaotique là parce que j'ai littéralement oublié qu'il fallait que je drive de nouveau pour m'en aller demain. On pack toute la journée, ok? On drive 3 heures de temps pour arriver chez nous et là on doit dépacker tout dans la même journée. Ça va être trop fun! Bon matin mes amis, c'est moving day. Je roule my loving chair. Ouais. Je suis sur ma deuxième collation de la journée, mais c'est parce que j'ai pas déjeuné. Il est juste midi quoi. Puis on a presque fini, ça va vraiment bien là. Prends l'ascenseur parce que I ain't about to walk. Je suis prête pour la pluie. Il m'y avance. J'attends mon grand-père à aller au truck chercher le coin. Puis je prends une sieste. Aïe! Quelqu'un descend les manches, vous allez me voir. On essaie de débrancher ma frame de lit, mais c'est qu'on a un problème parce que toutes les vis sont brisées. Puis c'est vraiment drôle à cause que hier soir j'ai écouté les vlogs de quand j'ai déménagé ici. Puis comme un de mes vlogs c'était quand ce que j'ai à manger mon lit. Puis j'ai eu un mental breakdown. Puis c'est ça, toutes les vis genre sont brisées. Ok, on est rendu au lit. Mon grand-père a trouvé des affaires. Now it's go time. Tu croches ça? Ouais, on lit là, on peut dire c'est pas magique. Dans le building ou sur les murs ou. Yo! Non, je sais loader. C'est plein. On est à l'étape de frame de lit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lever. Ma mère pose la valise, so sorry, mais. Ma chambre est totalement vide. C'est vraiment sad. Vraiment sad, mes amis. Dernier petit clip de dans ma chambre. I love you. J'ai vraiment aimé cette chambre ici, mais de meilleures choses, de différentes choses m'attendent. Dernier vlog sur mon parent. Vous entendez encore ma mère pose sa valise là parce que c'était tellement poussiéreux. C'est ça, je suis vraiment sale. J'ai jamais fait de makeover de parent là, mais j'aurai un autre parent un jour. Bye bye parent. Bon mes amis, je laisse mes clés, prends le reste des choses qui traînent. Ma mère et mon grand-père m'attendent pour aller au restaurant.
Puis je dis bye à cet appartement ici à tout jamais. Puis je pense que je vais juste vous laisser sur un petit commémoratif montage de mes moments passés ici parce que j'ai vraiment aimé cet appartement ici. C'était une des plus belles appartements que j'ai vécu, donc je me suis sentie le plus à l'aise dedans. Puis je suis vraiment reconnaissante que j'ai eu la chance de vivre ici, mais all good things must come to an end. So on se verra dans ma prochaine petite aventure de déménagement. Pour le moment, on sait tout que c'est chez ma mère. Merci d'avoir écouté mon vlog si vous avez rendu jusqu'à la fin. Si ça fait longtemps que vous êtes suivi ma chaîne, merci beaucoup. Si que vous avez juste commencé à suivre ma chaîne tout de suite ou quand j'ai déménagé ici, whatever, merci. Merci beaucoup. On se dit au prochain vlog, à la prochaine aventure. Je vous laisse sur un petit recap de mes moments ici. Puis on se dit à la prochaine. Bye! Quand tu rentres dans la cuisine à gauche, elle se pose pas mal vide là. Salon qui a pas de meubles. C'est ça que la cuisine ressemble. Puis on a un petit balcon aussi là. Ok, update time dans la nouvelle appart. Puis on a trouvé ça. Ça pour à manger un lit là. J'essaie de garder espoir que je pourrais construire mon lit avec ça. Oh my god! Oh my god. Look at this beauty. Ça m'a pris 45 minutes, plein de mort puis des larmes, mais j'ai finalement attaché 3 vis. 3 fucking vis. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Je suis trop prête. Oh! Yes! Meilleur investissement. Ok, welcome to the best part of my life. Oh my god! Ça fuit parfaitement! Imagine, j'aurais croisé mon lit, ça va pas trop bon. Puis là, j'ai tout seté ma chambre. J'ai mis une petite feuille light, j'ai accroché mes petites photos que j'ai imprimées. J'ai fait là-bas une petite table avec tout ce que je vais manger à soir. Puis je suis assez contente. Vous comprenez même pas comme je vais jamais prendre pour acquis de nouveau d'avoir un lit.